Bonjour, assalamu alaikum. Nous allons voir dans cette vidéo un cours de grammaire arabe, Darsun Nahw al-Arabi. Et nous allons traiter al-jumlatul ismiya ou al-jumlatul fa'liya, la proposition nominale et la proposition verbale. Alors, on va d'abord commencer par définir ces deux notions. At-tayyaratu jamilatun, l'avion est beau. الريح شديدة, le vent est fort. الأطفال فرحون, les enfants sont contents. Alors, on remarque que ces trois phrases, ces trois exemples, commencent tous par des noms. الطيارة, الريح, الأطفال. Donc, on peut dire qu'il s'agit ici de propositions nominales. Donc, il s'agit de Jumalun ismiyatun, puisqu'elle commence par un nom, ismun. Donc les trois phrases commencent chacune par un nom, ismun. Ce sont des propositions nominales, comme Jumalun ismiyatun. Tas'adu at-tayyaratu, l'avion décolle. Tanfakhu ar-rihu, le vent souffle. Yusaffiqu al-atfalu, les enfants applaudissent. Alors on voit dans ces phrases que chacune commence par un verbe. Tas'adu, tanfakhu, yusaffiqu. Donc là, il s'agit donc de jumalun fa'liyatun, des propositions verbales. Donc les trois phrases commencent chacune par un verbe, fa'alun. Ce sont des propositions verbales, jumalun fa'liyatun. Alors, on va d'abord s'attarder sur al-jumlatul ismiyatu, al-mubtada wal-khabar. Le sujet et l'attribut. Nous allons prendre quelques exemples. Al-jisru kabirun, le pont est grand. Aliyun kerimun, Ali est gentil. Huwa sadiqun, il est sincère. Hadha kitabun, c'est un livre. At-talibu yuhibbu al-ilma, l'étudiant aime les sciences. Alors, on voit d'abord que toutes ces propositions sont des propositions nominales. Donc, on voit qu'elles peuvent commencer par un nom, comme al-jisru, at-talibu. Donc, kulli hadhihi al-jumal hum jumalun ismiyatun. Donc, elles peuvent commencer par un nom, comme elles peuvent commencer par un nom propre, comme Ali, par un pronom personnel, comme huwa, par un pronom démonstratif comme hadha, hein. Et donc toutes ces phrases constituent donc des phrases nominales. Alors, on va voir comment s'appelle chaque partie, puisque là j'avais écrit la première partie en bleu, la deuxième partie en vert. Donc, au fait, la première partie de chaque phrase nominale est le sujet. الجزء الأول من كل جملة هو المبتدأ. Donc tout ce qui est écrit en bleu constitue المبتدأ. La deuxième partie de chaque phrase nominale se nomme l'attribut. Donc tout ce qui est écrit en vert constitue الخبر, l'attribut. Le nom المبتدأ هو دائما مرفوعا, c'est-à-dire qu'il se décline en dhamma. Il peut être soit un nom, un pronom personnel, comme hum, entuma, nahnu, hiya, huwa, anta, ana, ila akhirihi. Un nom propre, aliyun, comme dans l'exemple, yusifun. Elle peut être un pronom démonstratif, comme l'exemple hadha, hadhihi, hadhani, haoula. L'attribut al-khabaru huwa aydan ismun marfu'un, c'est un nom
marfoua, il se décline en dhamma. Il peut être un adjectif, comme nous l'avons vu dans l'exemple, kabirun, kerimun, sadiqun. Ou il peut être une proposition verbale ou nominale. Donc l'exemple que nous avons vu, at-talibu yuhibbu al-'ilma. Donc yuhibbu al-'ilma هي جملة خبرية. Donc c'est une proposition verbale puisqu'elle commence par un verbe, mais toute cette phrase constitue al-khabaru, جملة خبرية. Alors, quand l'attribut d'une proposition nominale est un adjectif, il s'accorde avec le sujet en genre et en nombre. Alors, exemple, al-mar'atu saburatun. Donc, al-mar'atu huwa al-mubtada, saburatun huwa al-khabar, wa al-mar'atu huwa ismun mu'annathun mufradun. Et saburatun huwa un adjectif, mais un adjectif qui est également mu'annathun mufradun. Donc on voit bien la concordance dans le genre et le nombre entre al-mubtada wal khabar. La femme est patiente. Deuxième exemple, donc là il s'agit de phrases en pluriel, al-musafiruna 'aiduna. Donc ici il s'agit de jama. Jama muzakkar al-musafiruna, et on voit que le khabar aydan huwa aydan jama muzakkarun, jam'un wa muzakkarun. Les voyageurs sont rentrés. La phrase nominale au fait ne contient pas de verbe, il est au fait sous-entendu. Donc dans la formulation de la phrase on n'a pas besoin d'avoir à ajouter le verbe parce que ça se comprend dans la phrase. Huwa kerimun, hadha kitabun. Donc là, on a compris la phrase et on n'avait pas besoin d'avoir un verbe. La proposition nominale sert à indiquer une certaine information sur un sujet. Exemple, huwa sadiqun. Donc huwa correspond à un pronom personnel qui est al-mubtada. Et donc là, ça nous donne une information sur al-mubtada. Il est sincère. Un autre exemple, Aliyun Kerimun. Donc là aussi, Aliyun huwa al-mubtada. Aliyun, c'est un nom propre. Et Kerimun huwa al-khabar. Donc là, ça nous donne une information sur Ali. Ali est gentil. On l'utilise lorsque on utilise donc la proposition nominale lorsqu'on souhaite insister sur le sujet. Par exemple, هذا كتاب. Donc là, on a utilisé un pronom démonstratif pour indiquer qu'il s'agit d'un livre. Alors, on va passer maintenant à الجملة الفعلية, الفعل والفاعل. La proposition verbale, le verbe et le sujet. On va partir de quelques exemples. Nama al-waladu. L'enfant s'est endormi. Haraba al-sariqu. Le voleur s'est échappé. Wasalat ukhtu aliyun. La sœur d'Ali est arrivée. Donc là, on voit qu'on a scindé les phrases en deux parties. Donc, il s'agit bien sûr d'abord de phrases verbales, de jumlatun fa'liyatun, puisque les trois phrases commencent toutes par des verbes, nem, haraba, wasalat. Et la deuxième partie, elle est composée de ce qu'on appelle al-fa'ilu. Donc on a al-waladu, al-sariqu, ukhtu Ali. Et on voit bien que al-fa'ilu, marfu'un, puisque à la fin du mot, on voit al-dhamma. As-sariqu, on voit al-dhamma à la fin du mot. Ukhtu. Donc, ukhtu Ali, tout ça c'est le fa'ilu. Et ukhtu, marfu'un. Ismun marfu'un. Donc, on peut dire qu'une phrase verbale, elle est composée d'un verbe qui précède le nom. Donc, on commence toujours par le verbe, puis
par al-fa'ilu. Donc al-fa'lu ou al-fa'ilu. La proposition verbale est composée d'un verbe fa'lun et d'un sujet qui est al-fa'ilu. Le verbe al-fa'lu précède le sujet dans une phrase verbale. On peut aussi ajouter que le sujet al-fa'lu doit être marfou'an et se décline en dhamma. Al-jumla al-fa'liya, on va voir maintenant al-maf'oulu bihi, la proposition verbale, le complément. Ishtara salihun sirwalan. Donc on va analyser cette phrase. Ishtara, c'est le verbe. Salihun, c'est le sujet. Sirwalan, c'est le complément. Donc il s'agit ishtara huwa al-fa'lu, salihun huwa al-fa'ilu, wa sirwalan huwa al-maf'ulu bihi. Donc al-maf'ulu bihi يكون دائما منصوبا. Donc on voit سروالا استعملنا الفتحة في آخر الكلمة. Donc on peut dire que le complément est celui qui supporte l'action du sujet. C'est un nom منصوب. الجملة الفعلية الاسم المجرور بالحرف. Donc là aussi, toujours dans le cas de la proposition verbale, on va voir le nom précédé d'une préposition. Exemple, yas'adu al-kalbu ila al-qafasi. Donc on a yas'adu, c'est le verbe, al-kalbu, c'est le sujet, ila, c'est une préposition, al-qafasi, c'est le nom. Autrement dit, يسعد هو الفعل الكلب هو الفاعل إلى القفص constitue الجار والمجرور. Donc ال هي حرف جر وبعد حرف الجر يكون الفعل مجرورا. Donc on voit qu'on a utilisé الكسرة au niveau du mot القفص puisque il existe une préposition et cette préposition va rendre le mot al-qafasi majrouran. Majrouran, c'est-à-dire qu'on a utilisé al-kasra à la fin du mot. Donc le mot al-qafas, cage, est majrour, kasra à la fin du mot, car il est précédé de la préposition il est, qui constitue harful jar. Donc il est, هي واحد من حروف الجر وحروف الجر هي كثيرة. Donc elles sont nombreuses. Donc on peut voir il est, في, من, على, ب, بي, لي, etc. Voilà, merci, au revoir.